amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très particulière. Aujourd'hui je suis devant mon PC, mais j'avais envie de peut-être vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon appart. Petite pause les amis pour vous préciser que cette vidéo date du 12 mars 2020 et que le 1er juin 2020 j'ai déménagé et je n'ai pas mis cette vidéo depuis. Vous voyez bien que j'ai des longs cheveux, une vieille barbe pourrite et des lunettes qui restent les mêmes lunettes. Pas forcément mon appartement, mais ce qu'il y a dans mon appartement, ça veut dire quelques objets rarissimes ou pas rarissimes, mais que vous pouvez retrouver hein, un petit peu partout, hein. C'est dans le quotidien du train-train. Hein. Bon, c'était pour la blague, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais. L'idée, c'était de que vous laissez en commentaire ce qui vous a plu, ce que vous aimez, parce que moi, forcément, il y a des produits que j'aime pas. Parce que bah, pour les odeurs, pour la visibilité, hein, faut pas se mentir, il y a des endroits où on veut pas rester des heures à contempler alors qu'on a d'autres choses à foutre, hein, faut pas se mentir. Hein. C'est comme ça que je veux présenter cette vidéo. Alors pour vous présenter cette vidéo, il faut aller dans ces endroits, dans mon appartement, là où tout se passe. Ça veut dire là où, je sais pas moi... Par exemple, on peut dire l'endroit là où je suis, est-ce qu'il vous plaît? On va pas se mentir, hein, ça vous plaît direct. C'est l'endroit où je passe mes nuits et mes jours allongés à côté, là où je vous fais des vidéos et là où je mange aussi et là où je fais mes besoins. Non, pas forcément. Pas les besoins. Pas les besoins. Je pense pas les besoins qu'on a besoin de faire des besoins là. Non, non. Non, en tout cas, voilà, c'était une façon de vous dire merci pour les bientôt 160 abonnés aussi, hein, on va pas se mentir. Ça fait au moins 4 fois que je le dis, mais c'est pas grave, on va pas se mentir. Bon, écoutez, on va commencer peut-être à vous montrer ces endroits, ces objets. Plutôt les objets, je pense plus les objets. Ouais, on va faire les objets... Ça va être peut-être le titre même, les objets de mon appartement, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait qui va dire que quoi, que quand, hein. Bon, en ce moment même, je réfléchis à comment la tourner et comment la poster. Ah, ça, ça va pas être facile. Et on verra bien ce que ça va donner. Enfin voilà, c'est une idée que j'ai eue. Allez les amis, on se rejoint tout de suite dans ces objets loufoques. Et si on se rejoint, on se revoit plus sur cette vidéo... Je tiens à vous dire merci encore à vous, les 160 abonnés. Peut-être 159 ou 158, ou peut-être plus, ou peut-être plus. Ah, j'aimerais bien plus, ouais, quand même. Ça serait bien. On va pas se mentir. Allez, zou.
n'oubliez pas, pour terminer cette vidéo, les amis, votre petite bouteille d'alcool qui tue 99% des bactéries, bien sûr. Croyez-le ou non, mais ça m'a pris une plombe de faire cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est ça le principe à dire dans cette vidéo. Mais surtout, dites en commentaire ce que vous avez vu, hein, et puis ce qui vous a plu. Alors, c'est pas grand-chose. On peut renouveler la chose. On peut renouveler. On peut mettre, même adapter pour les situations où ça pourrait être un peu plus délicat. Je vous ai pas tout montré. Ben non. Est-ce que vous en voulez une deuxième? Bien sûr, à vous de le dire en commentaire aussi. La description, vous verrez rien du tout, parce que ça reste la même description en fait. C'est la description reste la même. Il n'y a jamais rien qui change chez moi. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous dis commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait. Allez, c'était ZS.